Hello, hello, bonjour à tous les amis, quelle joie de vous retrouver pour cette suite de RE8 Village en mode hardcore toujours. Nous sommes à la partie 16 des vidéos, nous nous étions arrêtés à la maison de Bienvenito je crois, c'est plus trop son nom. Attendez, on va regarder ça de suite. Non, on voit rien, c'est royal, ok, c'est pas grave. Pour toi qui es nouveau, tu penses à t'abonner, tu actives la cloche des notifications si tu ne veux rien rater des futures sorties. La chaîne est cool, les vidéos sont cool, Night est un peu moins cool, mais c'est pas grave, ça, on passe dessus, c'est pas un souci. Donc, pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image, c'est important, et mieux flipper avec moi et crier comme une fillette. En avant Guingamp, à la One Again Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des... Yeah, mon fan club, et toi aussi derrière ton écran, je sais que tu l'as dit. Allez, on y va, go, come on. Et on n'a pas peur, surtout. On n'a pas peur. Écoutez, on va aller faire l'étage, déjà. Je sais pas trop pourquoi j'ai choisi l'étage. Mais voilà. Où est Bienvenito? Je crois qu'il s'appelle comme ça. Hein. En fait, je pense que c'est le jardinier, hein, de toute façon. Il n'y a rien. Oh, le rocking chair. De toute beauté. C'est de toute beauté. Non, là, on entend qu'il y a une chèvre quelque part, hein, les amis. Bé, fais la chèvre. Et fais ma femme. Bé. J'entends la chèvre, mais où est-elle? Elle peut être partout. Hein. Ah non, c'est l'horloge, ok, trop bien. C'était l'horloge, c'était pas une chèvre. Ça c'est tout pour nous tourner en bourrique, hein, je vous le dis. Je préfère le peupon, hein, dans les petits coins comme ça, là. Oh! Ok, là on ne peut pas passer. Cette maison est vraiment très très spéciale, hein, je vous le dis. Elle est vraiment spéciale. Pas grave, on va passer par là. Ok. Franchement, je n'ai pas peur du tout, mais ça me fait rien, quoi. Ça me fait plus rien. Je peux pas détruire la poupée, non? Oh là là, quel endroit accueillant! Ok, il n'y a rien à péter, hein, c'est franchement royal. Ah! Un ascenseur! Non, aucun loot encore. Ah ouais, ça serait trop beau en fait. Ok, bon, ben allez-y, hein. Allez-y. Passez devant les amis viewers ou abonnés, je vous suis, hein, y a pas de souci. Allez-y devant, allez-y devant. C'est vraiment une sacrée maison, hein, c'est... Voilà, sous-sol. Oh. Je suis pas bien, les amis. Hein. C'est trop calme. Alcaloïdes de plantes de montagne. Ok. D'accord. C'est trop calme pour moi. Ça sent l'énigme à mon avis. 1, 2, le 3 il est dedans, le troisième film, non, ouais. On peut pas mettre en route, bon. Oh! Y'a personne, hein. Oh, t'entends pas. Ou c'est les miens, c'est les miens. Ce ne sont que... Oh, putain. C'était quoi? En fait, c'était juste... j'ai eu peur de l'horloge, là. C'est pas sérieux, putain. En fait, je me mets la pression tout seul, quoi. C'est un truc de ouf. Oh non, il y a du bruit. Il y a de la musique. Très belle musique. Oh. Ah bah alors là, franchement... Oh putain. Non. Ah non. Non. Non, madame. Tu veux pas rester avec moi? Non, madame. Non. Quoi? Non, madame. Oh putain. Merde, où est mon arme? Et mes armes? Mais t'es sérieuse, meuf? Ou fille, ou... Oh, j'ai pas de clé. Franchement, quoi. Je m'entraîne, les amis. Bon, on va save, hein, parce que, waouh. Youpi yo, youpi ya, on parle à ma main. Putain. Oh putain. Une clé. Oh. Ah mais arrêtez quoi. Arrêtez avec les bruits graves là. Sérieux. Ma femme qui en rajoute. Alors Birdie. Ouais. Sérieux quoi. Non mais. Une bague couverte de sang. Ah ouais c'est... Ah, pour couper les bandages, je peux pas. Avec ça, je peux pas couper les bandages, non? Non, bon, bah écoutez, on peut pas couper les bandages avec ça, ok, c'est pas grave. Ah ouais, Mia, pauvre Mia, R.I.P. Ce mannequin, c'est Mia? C'est vrai qu'elle ressemble à Mia, la mannequin. Ah. Oh putain, non. Ah, j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout. Un coup de pied, t'as vu ça? Elle est pleine d'énergie, c'est dingue. J'ai rien vu, madame. Non. Elle est flippante, hein, elle, franchement, quoi. L'œil. Et l'autre œil. On peut pas examiner l'autre œil, non? Putain, je suis pas rassuré, les potos. Je suis pas rassuré, les amis, franchement. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, mais je veux voir ce que c'est, Ethan, s'il te plaît. Ah là là. On va essayer de couper ça, mais avec cette clé, non? Non, ça coupe pas. Et la bouche? C'est quoi? C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah mais là-dedans c'est une lame de rasoir pour couper le bandage en fait. Ouais. Oh là là, mon Dieu. Oh, oh, oh. On est bien là-dedans. C'est verrouillé de l'autre côté, ok. Y'a pas un scalpel quelque part là? Non? Un outil? Y'a pas une pince? C'est quoi ce bazar? On est dans un laboratoire d'expérience médicale. Ça m'en a tout l'air. Et y a pas un outil quoi. C'est... Et moi, on m'a tout retiré en plus. Ah, bravo, bravo le veau, hein, je vous le dis. Bon, on save. On save ça. Hein. Ok. Oh, attendez. Où est l'outil? Où est l'outil? Pas possible, quoi. Ça, pourquoi je peux rien en faire? Pourquoi tu me le reposes, quoi? Pourquoi tu me reposes ça? J'arrive pas à comprendre, en fait, là, les amis. Là, il y a trois... trois yeux fermés. Ouais, il me faut un outil. Oh putain. Il me faut un outil, les amis. Je fais quoi? Comment sans outil? Ok, super. Toute une technique, hein, je vous jure, les potos. Donc, l'alliance. Il n'y a pas un truc à récupérer là-dessus, non? Ah, 05, 29, 11, ok. On peut toujours pas. Là, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut faire quelque chose maintenant? Non, toujours pas. J'ai tout récupéré, un pied, une jambe, un bras. Avec le diamant de l'Alliance, non? Vous pensez pas? Eh non. Faut vraiment... Ok. J'ai bien compris le système. On resève parce que... Je ne sais pas s'il va pas y avoir des méchants pas beaux qui voudront me faire la peau. On peut pas mettre le truc là-haut maintenant? L'alliance? Non. L'alliance, on ne peut pas. Bon, écoutez, on va ressortir de là. Ah ben. Ouah, ça y est, j'ai compris. Merde, c'est pas là. J'ai dit combien tout à l'heure? 05, 29, 11. Ok. Ah tiens donc, c'est bien des longs couloirs sans rien, sans armes, sans rien, franchement. Ça à la one again beast to fly les potos, je vous le dis, bon hein. T'en penses quoi? Ouais. On le fait, on n'a pas peur, on est des rappeurs. En mode vénère? Allez, on le fait en mode vénère. Moi j'ai pas peur de toute façon. Ah, ah putain. Tiens donc, une porte très accueillante. Une porte trop accueillante. Cette boîte à musique est un souvenir de ma vie avec Ethan. Malheureusement, elle ne fonctionne plus. C'est tout ce qu'il y a? Ok. Il y a un grand texte et il y a deux lignes. Je peux rien prendre là? Non. Qu'est-ce que ça fait là? Ah mais non, mais ça y est. Voilà. Oh. Non, d'accord. Ah, moi, c'est un très bon mécano, hein. Je sais pas si vous avez vu. Ah, oh mon Dieu. C'est lequel le premier à votre avis? Putain, c'est pas gagné. Hein. Moi, pas tout comprendre. On va faire... Non, mais c'est pas ça que je veux faire. C'est aussi, je me trompe de bouton, quoi. La boîte à musique, elle est comme Nightwish, elle est enrouée, hein, je vous le dis. Non. Ça devrait être bon là, non? Non. Non, bah putain. Enlève ton doigt de la touche carrée, Night. Putain, franchement, c'est sué. Non, lui, il finit comme ça, normalement. Bon. Je pense que j'ai réussi, les amis. Oh là 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 là, les potos, c'est pour toi, mon ami. Oh, excuse-moi, je t'ai mis le doigt dans l'œil. Dans l'œil, excuse-moi. Voilà, on a récupéré l'outil. Qui a douté? Je t'ai entendu derrière ton écran. Tu as douté. Qui a douté que j'allais pas y arriver? Franchement, que j'allais y arriver plutôt. Qui? Qu'on te ponde sur la place publique. Ça perd l'hypopète, qu'on te pende par les pieds, qu'on te brûle par la tête. Et que la malédiction de Nightwish s'abatte sur toi. Et sur toi là-bas, mon fan club. Ouais. Là que j'ai récupéré l'outil, je me... Ça Oh putain. Mais non, quoi. C'est une blague, en fait, c'est une blague, quoi. Avec ça, ça va être royal pour récupérer... Oh! Non mais... On a Alexa d'Amazon, mais elle a bu en fait, quoi. Je ne peux pas le dire à Ethan. Tout, mais pas ça. Tu peux nous dire ce que tu fais derrière, là? Parce que... franchement... Donc, il faut retourner. On a récupéré une pellicule, hein, on est d'accord que tout à l'heure... Oh, putain, non, madame. Non, non. Tu veux que je vienne vers toi, madame ? Alors là, on est vraiment dans le spirit attitude. Et c'est pour toi, ma chère amie. Tu sais de qui je parle. Ah ah. Souvenir de famille, le meilleur ami de Rose. Elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous. Un cadeau de mariage offert par ma mère, la preuve que l'amour éternel d'Ethan pour moi. Ok. Donc. Attendez, mais c'était quoi déjà? Putain. Le meilleur ami de Rose, ok. Elle aime beaucoup cette histoire. Donc à mon avis la première ok, après c'est Rose. Non. Elle aime beaucoup cette histoire, ce qui compte le plus pour nous, un cadeau de mariage et la preuve d'Ethan pour moi. Ok. C'est quoi ça? Elle compte beaucoup pour nous. Donc. Non, elle aime beaucoup cette histoire, ok. Elle compte beaucoup pour nous. J'hésite entre les deux derniers en fait. Un cadeau de mariage, ok. Et la preuve d'amour éternel pour moi. Ouais, c'est bon, c'est ça. Comment je fais pour démarrer le... Ah. Non. Le meilleur ami de Rose, et eh ben voilà. Elle aime beaucoup cette histoire. Ah non. Ah ouais, ok. Oh. C'est un truc de ouf. Le meilleur ami de Rose, on est d'accord, c'est l'ours en plus. Elle aime beaucoup cette histoire, on est d'accord. Ah, d'accord, un cadeau de mariage offert. Ah ben non, mais c'était sur les deux derniers. Elle aime beaucoup cette histoire et c'est là en fait. Et là on est bien. Ok, un puits avec une échelle, trop bien. Un landau. Un puits, un landau. D'accord. Waouh. Ah, trop de poupées, tu l'as poupée, hein, franchement. Toujours pas d'armes. Waouh, les amis, c'est... Ok. Oh, un téléphone, comme dans RE7. Franchement, c'est super, ça me rappelle des bons souvenirs. Avec Papa Baker. Écoute, papa est près de toi. Il faut lui dire, papa, il y a quelqu'un pour toi. Oui, c'est Ethan, le monsieur de la dernière fois qui t'a coupé une main. Donc, allez, on se casse de là. On va arrêter de niaiser, là. J'ai pas... Ah, ah, putain. S'il te plaît, Ethan, écoute-moi. Je ne voulais pas te cacher ça. Mia ? Je ne voulais pas te perdre à nouveau. Je ne voulais pas détruire notre famille. Mia, de quoi tu parles ? Je vous aime tous les deux. Tellement fort. Je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je le fasse. Il fallait que tu fasses quoi? Que fallait-il que tu fasses, Mia? What? What's that? Ah mais c'est l'alliance qu'il faut que je mette à mon avis. Non. Bon, écoute. J'aime pas trop ce bruit là, hein, je vous le dis, les poteaux. Ok. Oh! Bonjour. Oh! Oh! Sauvegarde! Sauvegarde! C'est bien. Ah mais ça... Ah mais ok. Ok, donc le triangle avec un oiseau. Fais voir comment il parle l'oiseau. Ok. Celle vers la gauche. C'est pas là ça? Si? Non, 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 non. Je ne veux pas y aller. Ouais, ça sera lui. Ouais, c'est bon, c'est bien lui. Voilà, ça sera lui. Ouais, il manque quelque chose, mais quoi? Que manque-t-il? Mis à part ça que j'ai pas réessayé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il manque? Manque un truc comme le truc de l'horloge là, vous avez vu? Il manquerait un truc comme ça en fait, on dirait bien. Je suis sûr que je suis passé devant. Après, c'est vrai que tout à l'heure, on nous a montré un puits avec un landau. Je suis pas rassuré, les poteaux, hein, franchement. Ouais, mais Night, dis-nous quand t'es rassuré, ça sera plus simple, hein. Jamais, jamais, never. Ah, j'en ai marre de ces truc là. Il y a un truc que j'ai pas vu, hein. Donc la clé, je l'ai pas, ok. On va repasser, il y a un truc, je suis passé outre, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair, il y a un truc que j'ai pas capté. Comme à mes habitudes, bien sûr. Moi et la fouille. Quoi qu'il faudrait mettre là, il manque quelque chose. Ben bien sûr, je sais bien. C'est plus grand chose, hein. Je peux pas l'examiner le diamant là. Non, c'est, ça peut pas être ça. Bien rouillé, hein, la paire de ciseaux, hein, franchement. Non. Y a rien. Ah, mais j'ai pas regardé les autres objets, mais bon, y a rien non plus. Tout examiner, hein. Il y a un truc que je n'ai pas vu. Il y a du bruit un peu partout là. Oh, d'accord. Putain, ça me fait peur. Les bruitages me font peur, les amis, c'est grave. Je peux pas le récupérer, ça, non. Piano. Non. Non. Seul truc, c'est ça. Alors, franchement, je comprends plus, là. Ah, mais... Ah, j'avais oublié ça. Waouh. Ah ben voilà. Ah ben bien. Ouais, fous-moi la paix. Faut que je t'écoute quand même. Tu veux que je t'écoute, c'est bon, t'as fini, tu m'as bien fait flipper. Je vais sauvegarder, hein. Bah, de toute façon, je vais sauvegarder parce qu'on va s'arrêter là, les amis. La suite, au prochain épisode, bien sûr. Eh oui. Eh oui, les potos. La suite au prochain épisode. Est-ce que ça vous va comme ça? Ouais. De toute façon, t'as pas le choix, hein, mon poteau. Hein. Écoute, tu veux que je te dise. Donc, j'espère que la vidéo vous a bien plu. Ça a été... On a fouillé. Voilà, on est keblo dans la maison Bienvenito, là. On a fouillé. On a trouvé. Ça a mis du temps, mais bon, voilà. L'important, c'est d'y arriver. Donc, pour toi qui es nouveau, si tu veux suivre la fin de ces aventures, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications, c'est important. Et pour tout le monde, bien, merci à tous. Ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-moi bien. On se dit bye bye, à bientôt. La bisouille à tout le monde et ciao!